Bonjour. On va voir aujourd'hui, on va faire un survol des deux lettres aux Thessaloniciens. Alors en 5 minutes, deux lettres aux Thessaloniciens, c'est un peu comme faire le survol de l'Afrique en Concorde, et uniquement dans le sens nord-sud. Mais ça fait rien, on y va. Alors Paul, dans le livre des Actes, on voit, passe à Thessalonique au chapitre 17, et c'est dans son deuxième voyage, on voit qu'il va dans les synagogues, on voit qu'il y a des difficultés, qu'après ils vont à Bérée, et que les Juifs sont jaloux, sont furieux, etc. Et tout cela est un peu le fond de la lettre qu'il va écrire plus tard aux Thessaloniciens pour les encourager face aux grandes difficultés qu'ils ont vécu à l'égard des Juifs. Alors, les mots qui reviennent très souvent dans Thessaloniciens, dans 1 et 2 Thessaloniciens, c'est le mot « venu » qui devrait être traduit exactement par « parousie ». Qu'est-ce que c'est que la parousie ? Parousia, en grec, c'est la présence, c'est l'avènement, on pourrait dire l'avènement d'un grand personnage, l'avènement d'un roi, mais ce mot « présence » est aussi utilisé pour la présence de Paul ou de l'un ou de l'autre dans le Nouveau Testament. Alors ce mot, Paul va l'utiliser en annonçant au chapitre 1 la venue de Jésus-Christ, qu'il ne nomme pas comme ça, mais il dit qu'il l'attende. Mais au chapitre 2 et au verset 19, il parle de la parousie, de la présence de Jésus qui va venir, et il dit aux Thessaloniciens que eux sont sa joie et sa couronne. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a des grandes difficultés, ces difficultés, eh bien, Paul les a eues non seulement dans tout ce qu'il ressentait de ses difficultés avec les Juifs, mais il les a eues parce que finalement évangéliser les Thessaloniciens n'était pas non plus chose évidente, et c'est ce qu'il raconte au chapitre 2, et il va leur dire, mais si, à la fin du chapitre 2, si les Juifs maintenant vous en veulent, vous êtes, vous, notre joie, notre couronne. Donc quand Jésus paraîtra pour être roi, puisque la parousie c'est la présence sur la terre, c'est la présence de Jésus après Armageddon pour introduire ce royaume, ce règne dans son royaume, en Israël, Jésus étant roi sur Israël et sur les nations, alors à ce moment-là, les Thessaloniciens sont la joie de l'apôtre et sont sa couronne, c'est-à-dire que l'apôtre aura une couronne, c'est-à-dire aura une responsabilité qui sera fonction de ce qu'il aura fait de son vivant. Paul continue, et au chapitre 3 et au verset 13, il va dire qu'à la parousie, à la présence de Jésus-Christ, alors il travaille pour que les Thessaloniciens soient irréprochables dans leur cœur, et que finalement, tout ce qu'ils auront compris d'irréprochabilité, ils pourront le mettre en œuvre dans la présence de Jésus-Christ, autant dire que tout leur comportement dans des situations extrêmement difficiles avec les persécutions de la part des Juifs et aussi de l'Empire romain, bien sûr. Les chrétiens étaient en position difficile parce qu'ils étaient très décalés par rapport à l'adoration de l'empereur de Rome. Eh bien, toutes ces choses-là auraient des conséquences dans le règne de Christ, la présence, la parousie. Mais au chapitre 3, verset 13, il est question également de tous les saints. C'est-à-dire que tous les saints, tous les enfants de Dieu seront là, et il le reprend au chapitre 4, verset 15, en parlant de résurrection, et il dit que à l'enlèvement d'Église, alors tous les morts en Christ ressusciteront et seront là pour la présence de Christ pour régner, mais pour régner avec l'Église. Et au chapitre 5, verset 23, il va leur dire, mais voilà, je travaille pour que vous soyez vraiment irrépréhensibles, pour qu'on ne puisse pas vous interpeller, pour que vous soyez devenus des hommes, et des hommes dans cette présence avec Christ dans le royaume. Au chapitre 2, alors il va leur dire, et dans la deuxième lettre, au chapitre 1, verset 5, il va leur dire, mais les difficultés que vous avez sont là pour que vous soyez dignes du royaume. Donc on voit comment ce temps futur où Christ règnera sur Israël et sur les nations avec l'Église, est un temps important, est au centre de sa prédication. Et pour encourager les Thessaloniciens, il leur dit, mais ces difficultés que vous avez correspondent à la place que vous aurez après, quand Christ sera dans son royaume, parce que vous en serez dignes grâce à tout ce que vous aurez construit. Alors il dit au chapitre 2, ne vous laissez pas troubler comme si ce jour était déjà là. Pour que ce jour arrive, il faut que, premièrement, l'Antichrist soit manifesté, mais deuxièmement, que l'apostasie soit là, et que troisièmement, que ceux qui retiennent ne soient plus,
et ce qui retient, ou celui qui retient, c'est l'esprit dans l'Église, donc c'est l'enlèvement de l'Église. Et donc, on voit ce message général de Thessaloniciens, qui est un message d'encouragement, mais qui est centré sur le règne de Christ, sur ce moment où Christ règnera, où le projet politique aura toute sa plénitude, toute sa mesure, toute sa valeur. Autrement dit, tout ce que nous ferons aboutira dans le règne de Christ. Pour l'instant, tout ce que nous faisons, l'enregistrement des vidéos, notre vie de famille, notre vie d'église, notre vie de travail, les situations politiques, tout ça est très, très troublé, très difficile, on n'en voit pas le fruit, mais nous en verrons le fruit, et notre dignité sera parfaitement montrée quand Christ règnera. Alors, ces deux lettres aux Thessaloniciens devraient vraiment nous encourager, relisons-les dans cette perspective-là.